Hop. Lucifer. Oh, attends, le mec. Lucifer. Ah, le mec en fait il s'appelle Lucifer. Ok, c'est une erreur de traduction. Attends, c'est un peu trop fort. Il lui est arrivé quoi, son coup? Il s'est fait décapiter et on l'a recollé? Comme quoi, hein. La glue, ça marche vraiment. Il est vachement grand, ce con. Ok, pour l'instant, il coche toutes les cases de... du seigneur Emo. Les yeux qui brillent. Le fait qu'il se soit fait décapiter. Pas mal. Pas mal, cet anti-air, en vrai. Tu vois, ça, c'est un bon anti-air. Oh, putain de merde. Le coup vertical comme ça en l'air. Boum. Sacré anti-air. Surtout, attends, maintenant que j'y pense. C'est pas mal parce qu'au final, l'adversaire n'aurait pas vraiment projeté loin de toi. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de faire des combos. Et en plus, a priori, t'as une téléportation. Donc ça doit aider pas mal. Ah, c'est pas fini. Le mec a fait exploser une première fois, mais après il est en mode... Ah, mais qu'en est-il de la seconde explosion? Oh là là. 16 janvier 2024. Ok. 5 balles? Le truc va coûter moins de 5 balles sur... En euros, je crois que l'euro coûte un peu moins cher. Donc un peu moins de 5 balles, putain. En vrai, par rapport aux politiques en ce moment, par exemple Street Fighter 6 ou encore Mortal Kombat, quand tu vois les prix de certains trucs... pourquoi pas? Bon, seconde lecture. Peut-être que je vais voir quelque chose que j'ai pas vu. Ça, c'est le... Oh, pas mal, attends. Pas mal, en vrai, ça. Ça, même si c'est en bloc string, le mec, tu balances ce coup-là, ça permet de... le hitback est quand même pas mal, ce qui te laisse de la marge pour continuer l'attaque. Sauter ou un truc comme ça. Mais même ces overheads en général sont pas mal. Ces attaques anti-air sont pas mal, mec. Hein. Putain, ça l'a touché, hein. Il a un grab. Ok, il a un grab, mais le grab, vas-y. Ce grab, c'est un grab de combo ou c'est un coup spécial? Ça a l'air d'être un coup spécial. Est-ce que tu peux te baisser ou comment ça se passe? En vrai, ces projectiles sont vraiment... Ah, c'est pas mal. On va pas se mentir, les projectiles sont vraiment bons. Parce que là, par exemple, on voit l'autre, j'ai oublié comment il s'appelait, Belial, un truc comme ça. Il a balancé ses projectiles en IX, il y a plusieurs vagues. Et là, il fait juste ça, ça tourne sur lui-même pendant une seconde. Ce qui fait que ça littéralement bat tous les projectiles. C'est pas dégueulasse du tout. Ah non, c'est lui, Belial. Là, c'était Belzebuth, je pense. Bon, après, il n'y a plus rien à voir. Ok. Là, par contre, c'est intéressant. Ça, j'avoue, je m'y attendais pas. La dernière fois, en plus, que j'avais vu 2B, c'était dans Soul Calibur. Mais là, ça a l'air vraiment classe, putain de merde. Elle colle tellement au style de Grand Blue Fantasy, c'est incroyable. Oh, c'est un dodge? C'est un dodge qu'elle vient de faire? D'accord, elle a un petit dash en avant qui fait un peu low profile. Elle se baisse et elle esquive les coups. Le pire, c'est que je reconnais en plus sa move list, ses movesets par rapport à Soul Calibur. Ça a l'air... Ouh!
pas mal. Ouais, attends, il y avait pas mal de trucs à regarder. Ah, d'accord, et là par contre, le DLC coûte 8 balles. Ah, 8 balles, février. Fin février. Ok, après, c'est un... Après, il faut pas... C'est un personnage licence. Donc forcément, c'est pas un personnage du jeu. Évidemment que ça va coûter un peu plus cher. Mais j'ai l'impression que ça super, elle te permet de te projeter de l'autre bout de l'écran. Là, on n'a pas vraiment vu parce qu'elle était au corps à corps, mais... Est-ce que ça évite les projectiles? Pas mal la range, hein, quand même, du coup. Ah, pas mal la range de la grosse épée, ça. La mine au sol, qui permet de continuer à mettre de la pression, c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal. Attends, c'était quoi ça? C'était quoi ce qu'elle a fait? Attends, j'ai du mal à voir en fait avec les particules. Je pense que c'est une sorte de dash en arrière, en mode contre. Peut-être que c'est juste un counter. Attends. Peut-être que juste c'est un simple counter, si tu le touches, elle fait un dash en avant, en arrière, hop. Non. C'est juste un dodge en mode pari, pourquoi pas. Niveau mobilité, elle a l'air énorme. Franchement, elle a l'air énorme. Elle a des coups en l'air, elle a des coups au sol, elle a des dashs, elle a des backdashs qui évitent les coups pour contre-attaquer juste après. Franchement, j'imagine qu'il y aura un autre trailer plus tard, mais... Je m'y attendais pas. 2B, j'avoue que je m'y attendais, mais pas du tout.